C'est bientôt l'heure de manger. En fait, c'est même l'heure de manger. Alors, je vais me préparer à manger. Je vais préparer à manger pour Margot et moi. On est toutes les deux ce midi. Je me suis refait aussi, je me suis refait, oui, une tasse de café et chicorée. Je vais préparer un petit croque-monsieur hyper rapide avec une crudité. Ça sera très bien comme ça. C'est ce qu'on aime bien toutes les deux. J'ai rien de prêt dans mon frigo. Donc je vais préparer ça tout de suite. Ça va être hyper rapide. Ce sera cool. Donc du jambon, du pain de mie, du fromage. Pour le croque-monsieur, ce sera bien. Pour le fromage, j'ai du cheddar et de l'emmental. Ce sera bien comme ça. Je pense que je vais en faire trois parce que Margot, elle aime bien aussi les croque-monsieur. Je vais en faire trois. Les croque-monsieur, c'est tout simple, c'est vite fait, c'est super bon. Ça se mange très bien, très rapidement. Donc, c'est quelque chose qu'on fait vraiment très, très souvent, très régulièrement à la maison. J'ai mon fils Thibaut qui adore ça par exemple et il peut manger ça le matin au petit déjeuner, au goûter. Et en fait, il peut manger ça n'importe quand. Et même à vrai dire, s'il pouvait se nourrir que de ça, il le ferait. Recoucou, il est 7h moins le quart, je sors de la douche. Je vais préparer à manger pour ce soir. J'ai la flemme, vous savez pas à quel point j'ai la flemme, je suis morte de fatigue. J'ai qu'une hâte, c'est de me coucher en fait. Je n'ai même pas pu faire de goûter parce que j'étais prise beaucoup, donc du coup ça a été un goûter industriel déjà fait. Ça sauve des vies ça, hein. Je ne suis pas droite. Et donc là, je vais préparer à manger pour ce soir. Je vais faire des spaghettis à la bolognaise, ou des pâtes à la bolognaise en tout cas, parce que je ne sais pas si j'ai des spaghettis. Alors, je vais faire une petite bolognaise rapidos. Je vais mettre un petit peu d'oignon que vous voyez ici, et deux carottes que je vais couper en petits morceaux. Je vais revenir à la poêle avec la viande de bœuf. Et oui, Margot est au téléphone virtuel avec son père. À travers la porte. Oh, tout est tombé. Et donc je vais mettre de la tomate concassée dedans et puis ça sera bien comme ça avec des pâtes et ça sera très bien.
J'ai du fromage râpé. C'est maman. C'est maman. Elle n'arrête pas, je vous assure. Margot, elle n'a pas dormi de la journée. C'est maman. Et elle est au taquet. Oui, c'est maman. C'est, ah, c'est maman qui appelle. Alors attendez, je m'appelle. Oui, j'ai un message. Allô? De quoi deux? D'accord. Mais maman, parfait. Tiens. Prépare-le. Donc voilà, je vais maman. Préparer ça. C'est mouvementé ce soir. C'est chat. De quoi? C'est chat. Ah, c'est le chat qui t'appelle? C'est chat appelle. Oui, j'attends. Papa, c'est chat appelle. C'est chat appelle. Ah, ben nous la mienne alors. Si le chat nous appelle. Le chat, il mange des pâtes aussi? Ah oui, le chat, il mange des pâtes! Voilà, donc les oignons sont coupés en petits morceaux et allô, les carottes. Allô, j'appelle. Bon, je n'ai plus de spaghettis, enfin si, j'ai encore des spaghettis et j'ai même des linguines, mais j'en ai pas en quantité suffisante en fait pour nous cinq. La quantité qu'il reste est pour quand je suis seule avec les enfants ou même quand je suis seule avec que Margot, donc du coup ça va être des coquillettes. Je crois que c'est des coquillettes que j'ai. Voilà, ce sera pas des spaghettis, ce sera des pâtes avec une sauce, voilà, une espèce de sauce bolognaise. Et voilà, Margot est montée voir ses frères, ça fait du bien, ça fait du bien. Et j'aime ma fille d'un amour qu'on peut appeler infini, mais genre ce soir, j'arrive à en avoir marre parce que elle n'a, je vous assure, elle n'a pas arrêté de la journée. Alors, c'est sûr qu'il vaut mieux ça qu'un enfant malade, hein, on se l'accorde. Mais voilà, blablabla, toute la journée, avec en même temps une petite crise émotionnelle qu'on a eue ce matin. Il y a eu une après-midi, mais alors, je ne sais pas comment elle fait pour péter encore la forme. Je ne sais pas où est-ce qu'elle va chercher toute cette énergie. Elle puise mon énergie en fait. Voilà, c'est ça. Clairement, c'est ça. Hop, alors on va faire revenir ça un petit peu. Ouais. Eh bien, parfait, t'as réussi. Super. Oh. Bon. Ici. B. Oh, bien fait. Le sel, tiens. Moi aussi, je sais. C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Elle veut le faire, bah. Je veux un sel pour maman. Je veux un sel. Non, moi, je n'en veux pas du sel, merci. C'est bon, tu as un sel? Non, merci. Tu vois, tu as un sel? Thibaut? Non, merci. Hein? Hein? Je veux ça? Moi, je n'en veux pas. Tu n'en veux pas? Oui, j'en veux. Tu en veux ou tu n'en veux? Oui, j'en veux. Oui ou non? Oui, j'en veux. Oui, tu en veux? Oui, j'en veux. C'est maman. Tu as le quoi? Merci. J'ai mangé deux. Tu
vas manger deux yaourts. Deux yaourts. Maman, fais ça. C'est quoi ça? C'est ce sucre. Du sucre. Du sucre. Maman, c'est ce sucre. Du sucre. Ouais, elle le dit à l'Ardennaise. Maman, du sucre. La seule Ardennaise ici, c'est Margot. Ah bon? Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Bon, elle est née dans la Marne. Oui. Mais elle a toujours habité dans... Ouais, bah, Thibaut, il a habité 11, seulement 11 mois dans la Marne. C'est un Marnais. Mais pourquoi Léo, ce que j'ai... Un Marnois. Il a passé beaucoup plus de temps dans les Ardennes que nous, en attendant. Bah non, autant, je suis bête. Putain, j'étais en train de me dire, je vais me coucher. Je vais pas être le seul à me coucher. T'as entendu ce qu'elle vient de dire, maman? Thibaut a passé plus de temps que nous dans les Ardennes. Non, mais proportionnellement. Proportionnellement. Maman, non, non plus. Je dis ça. Je dis ça, maman. Ah oui. Oh. Maman. Oui.